Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc la suite du K4000, le test complet aujourd'hui, suite bien entendu à la présentation revue rapide que vous avez vu c'est très certainement auparavant sur notre chaîne YouTube, bien entendu. Donc aujourd'hui le K4000, 4000 donc on le rappelle pour 4000 mAh. On va faire un petit rappel rapide des specs de ce smartphone. Donc c'est un smartphone de 5 pouces avec un écran HD, IPS, donc il est en 720p bien entendu puisque HD, ça c'est pour préciser pour les non professionnels entre guillemets on va dire. Donc c'est un smartphone sous Android 5.1, Lollipop, avec un processeur MediaTek 6735 au premier niveau donc de spec, c'est-à-dire à 1 GHz. C'est un 4 cœurs. C'est un smartphone qui est toute bande européenne. On verra ça par la suite dans nos tests. Il est équipé d'une caméra arrière de 13 mégapixels, d'une avant de 5 mégapixels. Et par rapport au prix annoncé sur les sites en Chine, donc environ 110 €, et bien écoutez, il est quand même équipé de 2 gigas de RAM et de 16 gigas de ROM, et donc rappel 4000 mAh de batterie. Voici donc pour le Oukitel K4000. Toutes ces specs techniques, on vient de les décrire, et on va commencer tout de suite par une présentation de l'interface. Bouton customisé à la sauce Oukitel. Bouton central à la sauce Android stock, c'est-à-dire que vous avez des pages avec ce que vous désirez comme application en accès rapide. Ensuite, vous avez toutes les applications via le bouton, donc toutes les applications bien entendu. Et vous le voyez, c'est un smartphone qui est fluide, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et bien écoutez, on va commencer tout de suite par une petite annonce. Parce qu'on tient à remercier Dany du marketing Oukitel. Dany qui nous a envoyé très gracieusement un smartphone qui se trouve de l'autre côté, le K6000 et ainsi que le K4000, afin que l'on puisse vous faire une revue en français de ces smartphones. Et nous a proposé en même temps que la boutique Sinophonix puisse représenter et promouvoir la marque Oukitel sur la France. Donc autant on était dubitatif sur les premiers smartphones sortis par cette marque, autant les derniers montrent un effort considérable de cette marque, que ce soit en termes de finition, qu'en termes de fonctionnement du soft, c'est du quasi sans faute. Et ce qu'ils nous ont demandé de faire, donc, c'est de faire des tests à la Mad Max. D'ailleurs, c'est le nom du Oukitel K6000 au niveau de leur site. Et donc, de faire une présentation à la Mad Max, c'est-à-dire que, en gros, les brutaliser, plantage de clous, perceuse, enfin, tout la totale. Donc, bon, on n'est pas super fan de ce genre de torture, mais bon, on a décidé de jouer le jeu, mais avant de les torturer. Mais on va quand même vous faire une présentation sobre de ces modèles. Et puis, on fera une nouvelle vidéo par la suite où la torture sera là. Et à nous de nous lâcher pour montrer tout ce qu'ils ont en termes de solidité. Et est-ce qu'ils sont vraiment solides? Par exemple, planter les clous, c'est quand même pas évident avec un smartphone. Semble-t-il que eux peuvent le faire, comme d'autres chez VK World. Donc, c'est quelque chose qu'on testera avec les Oukitel K4000 et K6000. Bien sûr, on ne les vendra pas puisqu'ils auront été torturés. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par la visualisation du test de la batterie. C'est la chose la plus importante sur le K4000. Et donc, sur le dossier de nos tests, Geekbench 3, on va regarder la batterie. Voilà, vous le voyez, 16h20 quasiment. C'est juste exceptionnel pour une batterie de 4000 mAh, puisqu'il a tenu beaucoup plus que d'autres smartphones qui avaient aussi, eux, une batterie de 4000 mAh. Certes, je le rappelle, ok, un écran de 5.5 Full HD, mais tout de même,
C'est un écran HD de 5 pouces et la batterie a tenu 16h20 via le test de Geekbench. Le test a été publié d'ailleurs sur le site de Geekbench, où il y a l'ensemble des résultats de tests de reviewers ou de sociétés d'ailleurs. Mais très honnêtement, voilà un smartphone qui tient dans le temps et j'ai déjà deux commandes, ce qui est peu, mais il vient d'arriver en France. Deux commandes pour ce K4000, donc plutôt satisfait et c'est un très 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 bon résultat. Voilà, et pas grand chose à dire d'ailleurs de ce côté là en termes de batterie. Et on continue sur la suite avec AnTuTu, bien entendu. Et donc AnTuTu qu'on lance, on va regarder l'historique. Vous le voyez peut-être mal, 19 506 points. Donc certains smartphones équipés du 6735 à 1 GHz arrivent à dépasser les 20 000. Bon, toutefois, voilà, c'est le résultat moyen classique autour des 20 000 points pour le 6735. Ce qui est, voilà, dans les... Il est dans les rangs par rapport au 6735, donc pas grand-chose de particulier sur ce point. Et on va faire le tour des specs indiqués donc par AnTuTu. On le rappelle, donc un K4000 en 5 points, 6735P, donc à 1 GHz. Bien entendu, un Mali-T 720, une caméra de 13 mégapixels à l'arrière, bien entendu. On a donc 2 Go de RAM. 16 Go de ROM, donc 12,2 utiles. Puisque l'OS et ainsi que tout ce qui est stockage de nos applications ont pris de la place, bien entendu. Donc on le rappelle, 6735P à 1 GHz max, il est 4 cœurs, le Mali-T 720, un écran de 5 pouces, donc on est à une densité de pixels de 320. Le reste, bref, on a un accéléromètre, capteur de luminosité, capteur de proximité. Voilà pour donc AnTuTu, avec un score donc de près de 20 000 points, ce qui est somme toute classique pour ce smartphone, enfin pardon, ce processeur. Voilà, donc, et on va continuer la suite avec le test de l'écran et vous montrer ce qu'il a réellement, ce que vous avez réellement pour environ 110 euros sur les boutiques chinoises, parce qu'il sera autour des 149 sur les boutiques en France, environ, hein. C'est une moyenne. Et on va regarder ce qu'il vaut vraiment. Donc, comme convenu, le test de l'écran. Et bien, vous pouvez le voir, hein. Donc, voilà, je me rapproche. Ok, 110 euros en Chine. Très honnêtement, zéro défaut pour l'écran et vous le voyez très clairement. Un noir, l'écran est éteint, donc on ne peut pas mieux faire. Aucun pixel défectueux. Les rouges, vous le voyez à l'écran, c'est flashy. On va regarder les niveaux de gris tout de suite. Voilà, avec un angle de vision. Essayez, parce qu'il y a quand même beaucoup de luminosité aujourd'hui, et comme j'aime pas être dans le noir, je ne ferme pas tous les volets là où je travaille. Ok, donc vous le voyez très honnêtement, voilà un angle de vision. Là il y a des reflets, mais vous voyez toujours, voilà, on les voit, hein. Donc bon, il y a des reflets certes, mais vous voyez que là il a un angle de vision juste nickel. Donc ça, c'est le test de l'écran et c'est du zéro défaut.
Très honnêtement, par rapport à d'autres smartphones, des fois effectivement plus cher, un coût quand même beaucoup plus élevé, bah là, très honnêtement, Oukitel a fait très fort sur ce K4000. Au niveau des fréquences, on embraye la SIM 1. C'est la SIM qui contient l'ensemble de toutes les fréquences, à la fois donc GSM, 3G, et la 3G avec plus de bandes que d'autres d'ailleurs, et les bandes LTE 1, 3, 7, 20, plus 38, 39, 40, 41, donc Asie, grand est de l'Europe, bref, c'est juste parfait, il fonctionne nickel au niveau de la 4G et de la 3G ici en France. Et bien sûr, la SIM 2 qui n'est que GSM. Et on va regarder tout de suite les capteurs, l'ensemble des informations concernant les capteurs. Donc on utilise maintenant Droid Info qui est, voilà, plutôt, ça ressemble à du CPU-Z sans la mise en page, une mise en page différente. Bon, bref, nous on utilise ça maintenant, mais ça rappelle en gros les informations que l'on avait déjà sur AnTuTu. Au niveau système, rien d'extraordinaire, puisque bon, voilà, 1 GHz, hein, vous voyez les cœurs fonctionner. Donc là, il y en a 3 qui fonctionnent, un qui est en attente de charge, clairement. Donc quand il y aura besoin, bah, il se mettra en route. Hein, voilà, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Au niveau des caméras, donc on nous rappelle que c'est du 13 à l'arrière, du 5 à l'avant. La batterie, elle est à 95% de charge, pardon, et c'est plutôt pas mal. Donc 4 volts 2. Au niveau des capteurs, l'accéléromètre. Ok, proximité. Voilà, et la lumière. Voilà. Voilà, vous avez vu. Tout fonctionne parfaitement du côté des capteurs, des sensors, bref, tout marche pour le mieux. Ensuite, le multi-touch, c'est un 5 points, on l'a testé, voilà, donc c'est un 5 points, donc très bon point aussi. Ensuite, le test du GPU, on va le lancer et puis on va vous laisser donc regarder ce test. Vous verrez que bon, voilà, rien de bien extraordinaire, bien entendu, puisque c'est du Mali T720. Donc les résultats, comme je vous le disais, une moyenne d'environ 55 frames, 57 frames. Bon, lui il est à 45, au plus haut à 75. Donc il est un petit peu inférieur à certains, mais bon, vous le voyez et vous allez le voir par la suite, ce n'est pas gênant pour jouer très clairement, puisque on peut jouer très correctement avec ce smartphone. Qui plus est, avec une batterie de 4000 mAh, ça vous permet de faire quand même pas mal de choses avec. Donc voilà pour le test du GPU Bench. Et je pense que l'on a fait le tour en termes de test et de résultats de Bench. On va regarder donc tout de suite une vidéo et ensuite on fera le test du son. Donc une vidéo pour vous montrer les qualités de l'écran. On coupe le son pour ne pas être embêté. Et puis, oh, un timelapse, c'est pas terrible. Les relaxations, c'est plutôt chiant, on va dire. Voilà. Ah, je ne suis pas en rotation. Blablabla, il n'est pas là. Rotation automatique, il est là. Et voilà. Donc, un petit zoom.
Donc, je rappelle, un écran HD, hein, le screen test a montré aucun défaut du côté de l'écran. On va essayer d'avoir des couleurs, voilà. Oui, j'ai la sincère impression que en fait à l'écran, une fois filmé, oh, quoi que là, si c'est bon, voilà. Voilà. Vous voyez que les couleurs, voilà, c'est bon, je le tiens bien. Les couleurs sont plutôt flashy. Le problème, c'est qu'effectivement, les roches sont grises, donc ça arrête plutôt la lumière. C'est quand même pas des couleurs, qui reflètent énormément la lumière. Voilà. Vous voyez que la qualité de l'écran est juste parfaite. Il n'y a pas grand-chose à dire du côté de l'écran. Alors, on va regarder maintenant tout de suite, regarder, tester, écouter le test, pardon. J'ai bougé la caméra. Enfin, je l'ai bougé, non, mais je me suis frotté dessus. Alors, on se connecte. Donc, on va écouter ça tout de suite. Et on va apprécier ou pas le son de ce smartphone. On va monter un peu le son. Alors vous pouvez le poser comme c'est courbé légèrement, vous pouvez le poser, le son n'est pas trop étouffé. Vous tenez en main, ça fait caisse de résonance. Mais je descends le son. Par rapport à d'autres smartphones, il est clairement très dans les aigus, hein, celui-ci. Il est très très dans les aigus. Ça m'étonne pas trop. Avec sa coque en plastique arrière, même si la batterie est costaud derrière et que ça tient quand même plutôt pas mal dans le châssis métal, mais c'est clair qu'à 110 euros le smartphone, on va pas miser sur le son en priorité, puisque la priorité a été la batterie et l'écran, et ce qui est quand même pas un point négatif de ce côté-là. Donc voilà la vidéo, le son. On va regarder les jeux. Et avant les jeux, tout de même, on va regarder la caméra, voir ce qu'elle a dans le cœur et ce qu'elle prend tout de même de belles photos. On va regarder ça tout de suite. Et donc voilà, nos deux personnages sont arrivés comme par magie. On va regarder donc tout de suite la caméra sur nos deux personnages préférés. On en attend d'autres rapidement, je l'espère, mais en ce moment tout prend du temps avec les fêtes de fin d'année qui se préparent. Les commandes prennent beaucoup de temps à arriver. Alors, notre nounours, donc vous l'avez vu, l'autofocus est assez rapide. On va regarder ça après. Je vais te déplacer lui. Voilà, comme ça c'est mieux. Je t'ai mis au mauvais endroit. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on voit l'autofocus, il est assez rapide. Donc, vous avez vu les photos en même temps, donc sur votre écran ici chez vous. Mais on va quand même maintenant regarder la qualité des photos et on va un peu regarder en détail. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Vous voyez, il y a quand même peu de bruit autour donc du bec, par exemple. C'est plutôt pas mal, hein. Donc
un capteur, donc je suis sorti, un capteur donc de 13 mégapixels qui fonctionne plutôt pas mal du tout même. Je le rappelle, un smartphone qui est au prix de 110 euros. Notre nounours. Est-ce que les LED sont bien lisibles? Vous voyez que c'est propre. Il n'y a pas vraiment de gros défauts. C'est plutôt pas mal. On va vous montrer tout de suite des photos en extérieur. Donc vous l'avez vu, les photos en extérieur. Donc en ce moment, ce sont clairement des couleurs automnales. C'est lumineux, mais sans l'être trop. Le capteur, j'ai trouvé qu'il réagissait vraiment très très bien à cette luminosité. Vous avez vu aussi le niveau de détail sur des plantations, des feuilles, de bambou en l'occurrence par exemple. Et vous avez vu que le niveau de détail est plutôt pas mal non plus. C'est un capteur qui, je trouve, fonctionne vraiment bien. Une fois de plus, je le répète, 110 euros en Chine ce smartphone. 110 euros vente client en Chine. Donc à 110 euros, chapeau, parce que Oukitel a fait un très très bon smartphone. Donc on va regarder les jeux tout de suite, et notre jeu bien entendu NFS, qui est le jeu, je trouve, de test assez ultime actuellement, parce qu'il y a un très très grand niveau de détail. Et alors certes, n'utilise pas, comment dire, l'accéléromètre, puisque vous jouez avec les mains, avec les doigts, bon bref, mais ça démontre vraiment les capacités du smartphone en termes de jeu. Donc je vous le rappelle, on avance dans ce jeu grâce aux vidéos que l'on fait afin de vous montrer la qualité du smartphone lorsque l'on joue avec. Et donc on avance petit à petit à chaque vidéo. Et hop, hop. On charge la partie qui vient. C'est peut-être un peu fort, hein. Donc voilà pour la partie. Alors vous avez pu vous en apercevoir, ça paraît pas super fluide, il y a quelques ralentissements, mais c'est bon, c'est quand même un jeu extrêmement lourd en termes de traitement graphique, mais bon voilà, il tourne, mais il y a quelques ralentissements. Une fois de plus, ce n'est pas un smartphone prévu pour jouer, très clairement. C'est un smartphone prévu pour faire des utiliser des applications au cours de la journée, et voire même donc pendant plusieurs jours. Parce que je l'ai utilisé, et très honnêtement, 3 jours sans recharge. Voilà. Et sans l'arrêter la nuit. 3 jours sans recharge. Donc c'est très honnêtement un excellent smartphone avec une batterie très très bien intégrée dans ce smartphone, ce qui fait que on a un smartphone qui tient clairement la distance, mais il a voilà quelques petits ralentissements lorsque vous jouez avec des très très gros jeux.
Pardon. Donc voilà pour la finalisation des tests. Maintenant, on va regarder un peu tout ce qui est mesure. Donc rappel, hein, écran de 5 pouces. Alors, petit point, c'est un écran Corning Gorilla Glass 3 et Oukitel a mis eux aussi, en fait, ont mis un film de qualité moyenne parce que voilà, il s'est rayé assez rapidement. Donc bon, on le laisse puisqu'on fera des tests un peu plus trash un peu plus tard. Mais voilà, c'est un film. Moi, je vous préconise, si vous en achetez un, de retirer le film. Voilà. Donc, en termes de poids, parce que je le rappelle, c'est quand même un smartphone avec équipé d'une batterie donc de 4000 mAh. Et le smartphone fait 203 grammes. Donc, 203 grammes. On va mesurer son épaisseur parce que, bon, voilà, vous le voyez. Voilà, 11 mm, donc 1 cm 1. Donc 11 mm d'épaisseur. Ce n'est pas rédhibitoire, je trouve, sachant que vous avez quand même un smartphone 200 grammes. Bon, il tient très clairement facilement en main. Il a une coque en plus traitée anti-glisse, donc c'est plutôt pas mal. Et ce qu'on va regarder tout de suite, c'est savoir s'il est OTG. Je me souviens plus de ce que Oukitel annonçait le concernant. Eh bien, écoutez, quoi demander de mieux? Il est OTG ce smartphone. Voilà, préparation de la carte SD externe. Hop. Hop. Il est donc OTG. Ce qui est très honnêtement un bon point. Et on va mesurer. J'arrive avec mon câble. Donc là, pour rappel, le chargeur fourni avec ce smartphone, c'est un chargeur de 1 ampère. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Eh bien, ce n'est pas un 2 ampères, c'est un chargeur de 1 ampère. Donc, on se met sur la sortie 1 ampère de notre batterie et on va mesurer. On a donc presque 1 ampère et 5 volts 3. Voilà. Ça oscille légèrement. Ouais, bon, environ 5 volts quasiment, et puis bah, quasiment 1 ampère aussi, donc il n'y a pas mensonge de ce côté-là. Donc vous avez vu son épaisseur, 11 mm. Mais ce qu'on va regarder tout de suite, on va l'éteindre puisqu'on a fait l'ensemble des tests et mesures. Ce qu'on va mesurer tout de suite, c'est le poids de cette batterie. Annoncé pour 4000 mAh, je vous rappelle son épaisseur. Voilà, elle est costaud, hein. En main, il n'y a pas de souci. Elle fait son poids. Soixante-cinq grammes, la plus lourde que l'on ait eu à tester, à mesurer en tout cas, en termes de poids. Sur les smartphones que l'on a testé au cours de toutes nos vidéos récentes ou moins récentes. Pardon. Donc voilà pour le poids de cette batterie Oukitel. Voilà. Et donc, bien écoutez, on a terminé avec la revue complète de ce smartphone. Petit point, il est livré avec une coque arrière, plastique souple, très bon point. Donc on remet sa coque, voilà. Coque parfaite, hein, adaptée pour. Elle est livrée avec le smartphone et la coque est déjà montée dessus. Donc voilà pour le K4000 de chez Oukitel, qui est pour nous une très bonne surprise.
parce que très honnêtement, je ne m'attendais pas à ça, surtout au prix auquel il est vendu. Je m'attendais pas du tout, du tout à avoir des résultats de ce type. Donc c'est un excellent résultat global, très bel écran, sans défaut, caméra plutôt satisfaisante aussi, qui je trouve prend des photos plutôt agréables à l'œil, avec des couleurs sans saturation, des couleurs pardon plutôt agréables à l'œil. Ensuite, une batterie qui fait son taf et qui le fait plutôt très bien. Parce que je vous rappelle donc le résultat Geekbench, 16h20, juste nickel. Franchement, c'est parfait. Ensuite, les petits défauts, moi je dirais que c'est le son. Le principal défaut, c'est le son. Et peut-être un traitement au niveau du GPU qui aurait pu être mieux réalisé. Puisque voilà, par exemple, vous l'avez vu, NFS a quelques lenteurs, y compris lorsque vous mettez de la nitro, on est pris de quelques ralentissements, on n'a pas l'impression que ça va très très vite, contrairement à d'autres smartphones que l'on a pu tester. Bref, voici donc les résultats pour ce Oukitel K4000. Il va être mis sur la boutique française sinophonix.fr. Pas ce modèle-là, hein, parce que ce modèle-là, on va l'utiliser pour faire les tests à la Oukitel, c'est-à-dire plantage de clous, certainement perceuse et ce genre de choses. Donc, on va voir ça. Donc, vous pourrez le retrouver en France si vous voulez pas payer de frais de douane ni des frais supplémentaires. Il devrait être autour des 150 € frais de port compris en 48 heures chez vous si il est disponible, si tout n'a pas été vendu d'ici là. Ensuite, bien écoutez, voilà pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air, vert ou ce que vous voulez, un commentaire à partager à vos amis pour qu'il y ait de plus en plus d'abonnés. Ça grimpe. On a dépassé plus de 300 récemment. On est très content. On approche des 8000, pardon, sur notre page Facebook. On est super content aussi. Des clients commandés sur la boutique, ils sont super contents aussi. Donc, eh bien écoutez, que du bonheur. Donc voilà, on partage nos connaissances, on partage nos avis, on partage nos tests et on est super content que les gens apprécient. Donc, on vous souhaite le meilleur. À plus, à ciao et à la prochaine vidéo.